Bonjour mes amis. Plus j'apprends à connaître les gens, plus j'aime les chiens. Cette phrase bien connue est attribuée à un grand nombre de penseurs. Elle a probablement plus de 100 ans et aujourd'hui encore, elle n'a rien perdu de sa pertinence. Et d'ailleurs, c'est la meilleure façon de caractériser ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a quelques années, des photos d'une meute de chiens errants ont fait le tour du monde en quelques jours et beaucoup d'internautes se sont alors demandé « Que s'est-il passé pour que des chiens se comportent de cette façon avec un objet inanimé ?» Mais lorsqu'ils ont découvert la raison de ce comportement de la meute, ils n'ont pas pu rester indifférents et ont applaudi à tout rompre. Tôt un matin, les habitants d'un immeuble de plusieurs étages dans une petite ville se sont réveillés en entendant les aboiements saccadés et retentissants de chiens et en regardant par la fenêtre. Ils ont vu quelque chose qui les a franchement choqués. Plusieurs chiens entouraient une Volkswagen Jetta rouge et la mettaient littéralement en pièces avec leurs crocs. À ce moment, un des habitants se trouvait par hasard dans sa voiture car il était sorti de chez lui pour la réchauffer avant de partir travailler. C'est lui qui est l'auteur de ces nombreuses photos et qui a écrit à ce sujet sur un réseau social. Les photos que l'homme a réussi à prendre montrent clairement plusieurs chiens en train de ronger l'aile gauche d'une voiture qui, sous l'effort de leur mâchoire, se transforme en passoire. Alors que pendant tout ce temps, ils courent et aboient contre cette chose rouge. Sur une autre photo, on peut clairement voir un autre chien du groupe arracher l'essuie-glace droit de la voiture avec ses crocs, tandis que ses congénères s'occupent du côté gauche de la voiture. L'auteur de la publication a également ajouté qu'il s'est approché, après être descendu de sa voiture, et que les chiens ne lui ont pas accordé la moindre attention, qu'ils étaient occupés à leurs affaires et ne faisaient montre d'aucune agressivité. « C'était quelque chose d'incroyable !» écrit l'homme. Mais qu'est-ce qui avait bien pu se passer pour les mettre en colère à ce point? Ce qui s'est passé, nous le savons grâce au récit d'un autre homme qui en a été témoin. 10 minutes à peine avant l'événement, un habitant de l'immeuble avait garé sa Volkswagen Jetta près de l'entrée. Il est à noter que le type était un peu ivre, car il a mis beaucoup de temps à garer sa voiture. Et quand il a réussi, il en est sorti juste au moment où un chien errant passait à côté de lui, sans porter la moindre attention au propriétaire de la voiture. Le jeune voyou, à l'esprit étroit, a alors donné un coup de pied au pauvre et innocent chien qui s'est enfui en gémissant dans la cour. Puis l'homme est tranquillement rentré chez lui pour dormir sans se douter, comme vous le devinez déjà, de la vengeance qu'il venait de provoquer. Car apparemment, le chien était très fier et n'entendait pas tolérer une telle offense de la part du jeune voyou. Après s'être éloigné pendant quelques minutes, il a réuni ses congénères pour donner une leçon à son agresseur. Les chiens ont alors commencé à mordre et griffer la voiture, et en quelques minutes, la meute de chiens très soudée a infligé de nombreux dégâts à la nouvelle Jetta. Et à la fin, selon l'auteur des photos, l'un des chiens a levé la patte arrière et a consciencieusement sali la réputation du propriétaire de la voiture. Visiblement, ce dernier s'en est pris à la mauvaise victime et l'animal s'est avéré assez intelligent pour réunir une meute de chiens et rendre la monnaie de sa pièce à son agresseur. « Il vaut mieux ne pas offenser les congénères de nos petites bêtes », ajoute l'auteur dans son post. Un grand nombre de personnes qui ont vu ces photos sur les réseaux n'ont pas pu s'empêcher de rire car une chose pareille n'arrive pas souvent. Mais cette histoire servira peut-être de leçon à quelqu'un, comme cela a été le cas pour notre triste héros. Probablement que lorsqu'il s'est rendu à sa voiture et qu'il a découvert ce qui était arrivé, il en a été grandement choqué, et plus encore lorsqu'il a appris par ses voisins qui étaient les auteurs du forfait. Il semble parfois que le monde soit plein d'injustices, mais la vie est un boomerang qui vous redonne tôt ou tard ce que vous méritez. Alors soyez gentils. Et que pensez-vous de ces gangsters à quatre pattes? N'oubliez pas d'écrire votre opinion dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Aimez la vidéo et à bientôt.